Alors, le championnat a été initié en 2013 à la suite du programme Football for Hope auquel Special Olympics Sénégal avait été financé par la FIFA, par l'intermédiaire de Special Olympics International. Et on s'est dit qu'à partir de là, nous devions lancer un championnat national de football unifié. Et quand on dit football unifié, ce sont des équipes qui sont composées de jeunes avec déficience intellectuelle et des jeunes sans déficience intellectuelle pour faciliter justement leur inclusion sociale. Aujourd'hui, nous en sommes à la 7e édition depuis 2013. Donc ça montre que c'est un championnat qui a pu trouver une stabilité certaine pour pouvoir aujourd'hui avoir 11 équipes unifiées qui viennent de tous les sites et sous-programmes de Special Olympique Sénégal. Et aujourd'hui, les 4 meilleurs sont sortis du lot, c'est-à-dire les équipes de Ziguinchor, de Pikine, de Léopold Sédar Senghor et de Mbour. D'accord. Mais par ailleurs, vous avez reçu des lots de la part du DAPS. Un mot nous par avons, rapport à ça. Nous avons également été accompagnés dans cette finale par la société Industrie des Boissons du Sénégal que nous remercions vivement pour son accompagnement, mais également par le ministère des Sports. Et je rappelle que le ministère des Sports est notre ministère de tutelle qui nous accompagne depuis la mise en place de Special Olympics Sénégal et nous sommes toujours heureux de les avoir à nos côtés lors de nos événements phares. Et nous saisissons cette occasion pour remercier le ministère des Sports et plus particulièrement la direction des activités physiques et sportives pour le lot qu'il a offert donc au vainqueur et au champion et à l'équipe qui a été deuxième du championnat. Championnat football unifié, mais en 2012, Special Olympics Sénégal devait recevoir un financement dans le cadre de FIFA for Hope. Nous avons dit que nous avons fait un championnat national de football unifié. Depuis 2013, nous avons fait la 7e édition que nous avons joué aujourd'hui. Nous avons commencé à 3-4 équipes qui ont fait le championnat. Nous avons 11 équipes qui ont fait le championnat. Nous avons fait le site et le sous-programme. Nous avons fait le Special Olympics Sénégal. Nous avons fait le représentant. Dans 11 équipes, nous avons fait le championnat. 4 finalistes qui ont fait le championnat. Dans la phase finale, nous avons fait équipe de Ziguinchor, équipe de Pikine, équipe de Mbour et équipe de Léopold Sédar Senghor. Tutelle bi woné na bopam ak sen partenaire yi woné. Waaw, ñu ngi rafetlu accompagnement bi nga xam ñu ko amé ci tutelle bi moy ministère des Sports, jëmele ko direction des activités physiques et sportives nga xamné téral na champion bi, téral na également deuxième équipe bi, équipe bi jël deuxième place ci championnat bi. Di rafetlu également taxawayu suñu partenaire bi nga xamné moy Industrie des Boissons du Sénégal, nga xamné biñu leen solliciter ñom ñone ñom ñoy jël finale bi, ñom ñokoy financer, ñoo financer final bi yep. Ñu ngi leen di ci remercier vraiment di rafetlu sen taxaway suñu wet di cour di ñaan taxaway bobu mu gëna jëm kanam parce que IBS accompagné won nañu déjà daw biñuy dem jeux mondiaux à Berlin. Une dernière question madame Baza.